Bonjour, et aujourd'hui nous allons faire une délicieuse recette qui s'appelle crème brûlée de champagne biscuit et rose de Reims en compagnie de Laetitia. Laetitia, donc on est prêt? Intro. Alors Laetitia va me dire ce qu'il faut. Alors il vous faut 400 g de crème liquide, 60 g de sucre semoule, 80 g de champagne, 6 petits biscuits roses de Reims, 4 gros œufs, 2 cuillères à soupe de sucre coloré en rose. Voilà, donc on démarre la recette. On commence par mettre 60 g de sucre glace. Ensuite on met 400 g de crème liquide. Moi j'ai mis la crème entière. 400 g. Ensuite, on rajoute les 4 œufs, les jaunes d'œufs, hein, bien sûr, qu'on a séparés. Et on va rajouter, alors ce qui est intéressant, c'est 80 g de champagne. Laetitia, tu vas doucement sur le champagne. C'est doucement que champagne. Pas à 5 g près. C'est bon? Et ensuite, on va battre tout ça. Donc, on va prendre un batteur. Vas-y. Ça va? Ça va très bien. Toute souriante. Ensuite, on va prendre des petits ramequins. Alors ça c'est facultatif ce qu'on va faire, hein, mettre des petits biscuits roses au fond, c'est facultatif, hein, vous en mettez ou pas, comme vous voulez. Et on va mettre un petit peu au fond des petits biscuits roses. Elle travaille comme une chef. Je vais l'embaucher, je sens. Voilà, c'est bon. Ensuite, on prend une louche tout simplement. Et Laetitia va nous remplir ça. Petit ramequin. Elle se débrouille très très bien. Ouais. Elle va en faire à ses enfants, je pense qu'ils vont se régaler. Tu fais des super petits desserts. En fait. Ouais, c'est sympa. Voilà, c'est parfait. Ensuite, on va les mettre au four une heure. C'est ça qui est un peu plus long. Entre 100 et 110 degrés. On va les mettre au four. La vidéo est finie. Laetitia, régale-toi bien avec les enfants. D'ailleurs, je leur fais un gros bisou. Voilà. Et je vous dis tous à très bientôt. À bientôt. Bisous, bisous. Au revoir.